enfance, j'ai beaucoup navigué avec mon père, surtout les étés. On nous prêtait des bateaux et puis on partait naviguer avec toute ma famille. Et c'est là que m'est venu le goût de la voile. Le projet, c'est d'établir le temps de référence du passage du Nord-Ouest à la voile sans assistance et sans escale. Avec mon père, on a souvent parlé de ce projet quand j'étais petite, pas forcément en record, mais souvent parlé d'aller naviguer en Arctique et l'occasion s'est présentée. Donc voilà, après un an de préparation, nous voilà au Groenland, prêts à partir pour le passage du Nord-Ouest. Pouvoir surveiller la glace, les icebergs, avoir des lunettes qui s'adaptent bien, c'est tout simplement essentiel, à la fois en termes de confort, mais en termes de sécurité également, puisque naviguer dans les glaces, c'est vraiment quelque chose de dangereux et de difficile. Moi, ça fait 15 ans que je suis des bateaux qui naviguent dans cette région-là. Tout a été chamboulé cette année. La glace a tellement fondu au pôle Nord qu'elle est venue en fait boucher les chenaux du passage Nord-Ouest, qui sont plus au sud et plus étroits. On a été témoin des conséquences du réchauffement climatique, puisque le passage du Nord-Ouest est malheureusement resté bloqué cette année. C'était vraiment génial, même si on n'a pas réussi à établir le temps de référence comme on voulait. On a vécu quelque chose de très fort entre père et fille. On a navigué dans des régions incroyables avec des paysages grandioses, des mammifères marins. J'avais déjà imaginé que ce serait bien, mais c'était encore mieux que ce que j'avais imaginé.